qu'on a fait au bon Dieu? Ouais. Ça cartonne. Hein. C'est bien. On fait 1 million par semaine, là. Ouais. Ouais. Mais écoute, ça cartonne. C'est une super comédie. C'est hyper drôle. C'est aussi assez représentatif de la France dans le sens où c'est le champion des couples mixtes, quand même, des mariages mixtes. Et puis, ça arrive à un super bon moment où, tu vois, tu sais, il se passe plein de choses un petit peu politiquement incorrect en ce moment d'un point de vue du racisme et tout ça. Et finalement, nous, on est là avec un beau message d'espoir et de tolérance et les gens ont choisi ça. C'est-à-dire que c'est vraiment un choix des Français d'avoir fait ce choix-là. Oui, et ce que je trouve très sympa dans le film, c'est un, que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oh non, enfin surtout la fille, je me suis dit, oh non, voilà encore un film raciste français primaire. Et en fait, pas du tout. Non. Justement, on prend tous les clichés, on les jette dans tous les sens. Et c'est super drôle parce que tout le monde s'y retrouve. Ouais, en fait. Puis tout le monde se lâche, tout le monde en prend plein la figure. Oui, c'est, oui. Personne n'est, à part les femmes, les femmes, mais en général, nos gendres s'entretuent. Enfin, tout le monde, voilà, tout le monde en prend pour mais son ça, grade, comme on dit. Alors ça, c'est une chose. Deuxième chose que je veux dire sur le film, j'ai vu l'affiche, je dis, oh mon Dieu, regarde, de Christian Clavier, ce n'est pas possible. Ah. Et il est... Révélation, ouais. Révélation. Ouais, c'est Louis de Funès. C'est notre nouveau Louis de Funès. Il est incroyable. Il est parfait. Il est parfait. Et je me dis, waouh, c'est la résurrection. C'est le grand retour de Clavier. Ouais. Et déjà dans Les Profs, il avait été assez étonnant avec un rôle complètement différent de ce qu'il fait d'habitude. Et là, en patriarche, bourgeois, il est génial. Non, c'est vrai. Ouais. Il est très généreux aussi dans la façon dont il a de donner la parole, de nous avoir accepté autour de lui. Et c'était... Moi, c'est culte. Hein. Moi, Clavier et Chantal Lobby, c'est eux qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Chantal Lobby, c'est grâce à elle que j'ai fait La Minute Blonde, dans le sens où je me suis dit, waouh, comment une femme peut être aussi classe et dire des horreurs comme ça. Chantal, tu as un tampon sur l'oreille. Ah bon? Mais où j'ai mis mon stylo? Voilà, derrière, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Derrière, tu peux faire que La Minute Blonde. C'est vrai, c'est vrai.